On constate une nette augmentation des frais de transaction sur le réseau du Bitcoin. Cette augmentation est due au nombre croissant d'ordinals sur la blockchain du Bitcoin. En conséquence, la rentabilité des mineurs, elle en revanche, connaît aussi une augmentation importante. Les ordinals du Bitcoin ont été lancés début d'année dernière, début 2023, et ce sont des Satoshi inscrits avec des données telles que des œuvres textuelles, des vidéos ou des images. C'est en fait comme des NFT. Les ordinals sont sur la blockchain et leur valeur dépend des informations qu'ils incluent plutôt que sur la valeur des tokens eux-mêmes. Les ordinals transforment la blockchain Bitcoin à un rythme effréné. Cette vidéo explore le monde complexe des ordinals du Bitcoin. Nous allons tenter d'élucider ce qu'ils sont et voir leur importance pour la trajectoire du Bitcoin. Nous verrons également leur potentiel transformateur pour la blockchain et leur implication non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies. Bitcoin est désormais bien plus qu'une crypto-monnaie. En plus d'être connu pour sa décentralisation, sa sécurité et son immuabilité, le Bitcoin est désormais aussi une plateforme pour la création et le commerce d'art numérique et d'autres formes de tokens non fongibles. Les Bitcoin Ordinals ont été lancés au début de 2023. Alors, ce sont des Satoshi, c'est-à-dire un 100 millionième d'un Bitcoin dans lesquels sont inscrites des données telles que du texte, des vidéos ou des images. Tout comme les NFT, les ordinals sont ancrés sur la blockchain et leur valeur dépend des informations qu'ils contiennent, plutôt que sur la valeur des tokens. Les ordinals ont été développés par Kaizé Rodarmor pour exploiter l'unité divisible la plus petite du Bitcoin, le Satoshi. Ils assurent la sécurité et l'immuabilité du contenu inscrit, ce qui élimine le besoin d'avoir un validateur tiers. Les ordinals sont basés sur une idée simple mais ingénieuse. Utiliser l'unité la plus petite du Bitcoin, c'est-à-dire le Satoshi, comme support de données. Un Satoshi équivaut à un 100 millionième de Bitcoin. Chaque Satoshi peut être identifié de manière unique par son historique de transactions sur la blockchain du Bitcoin. Les ordinals utilisent un protocole appelé Ordinal Inscriptions. Ce protocole permet d'écrire des données sur cet Satoshi, les rendant non fongibles et uniques. Les données sont stockées dans le témoin de la transaction Bitcoin, qui est une partie de la transaction contenant des informations supplémentaires, telles que des signatures et des scripts. Le concept de témoin a été introduit en 2017 avec la mise à niveau SegWit qui a corrigé certains bugs dans le Bitcoin et a permis plus de transactions par bloc. SegWit a également posé les bases pour des solutions de couche 2 telles que le Lightning Network qui permettent des transactions plus rapides et moins chères sur la blockchain du Bitcoin. Donc le témoin peut stocker jusqu'à 80 octets de données par Satoshi, ce qui signifie qu'une seule transaction Bitcoin peut inscrire jusqu'à 8000 octets de données en utilisant 100 Satoshi. C'est suffisant pour stocker de petites images, du texte ou des extraits de code par exemple. Pour des fichiers plus volumineux, tels que des vidéos ou des jeux, les ordinals inscriptions utilisent une technique qu'on appelle le chunking, qui divise les fichiers en petites parties et les inscrit sur plusieurs transactions. Le processus de création d'un ordinal inscription nécessite l'exécution d'un nœud complet de Bitcoin, qui est le logiciel qui met en œuvre les règles du réseau Bitcoin. Un nœud complet télécharge et vérifie toutes les transactions et bloque sur la blockchain, assurant la sécurité et la décentralisation. Après la synchronisation du nœud avec le réseau, l'utilisateur doit créer un portefeuille Ordinal et envoyer quelques Satoshi dedans. Ensuite, ils peuvent utiliser un outil appelé Ordinal Studio pour sélectionner un fichier depuis leur ordinateur et l'inscrire sur leur Satoshi. Le résultat est un Ordinal Inscription qui peut être consulté sur n'importe quel explorateur Bitcoin qui prend en charge les transactions SegWit, telles que, par exemple, Blockstream.info.
L'utilisateur peut également partager son ordinal d'inscription avec d'autres en leur envoyant un lien contenant l'ID de la transaction et l'index de la sortie qui contient les données. Au centre de la soudaine augmentation de l'activité du réseau due à la popularité croissante des Ordinals se trouvent les tokens BRC20. Avec ce nouveau standard de tokens, les utilisateurs peuvent inscrire des tokens fongibles, comme les tokens ERC20 d'Ethereum, sur la blockchain du Bitcoin. Le processus de création de tokens BRC20 sur Bitcoin est similaire à un Ordinal inscription, car il attache des données à un Satoshi. Cette fonctionnalité révolutionnaire a attiré l'attention de la communauté Bitcoin, suscitant un enthousiasme et une adoption accrue. Les mineurs de Bitcoin ont bénéficié grandement de l'introduction des Ordinals de Bitcoin. Le standard du token BRC20 s'inspire du bien connu standard ERC20 d'Ethereum. Le nouveau segment du marché de la crypto-monnaie a, en seulement 4 mois depuis sa création, accumulé une capitalisation boursière dépassant 143 milliards de dollars. En soumettant une transaction incluant des frais, les utilisateurs peuvent créer des tokens BRC20, revendiquant ainsi des droits sur les tokens nouvellement créés d'un projet crypto BRC20. Cette avancée de la tokenisation au sein de l'écosystème Bitcoin a dévoilé une multitude d'opportunités tant pour les participants du marché que pour les mineurs. On pense que les Ordinals ont insufflé de la vie au réseau Bitcoin, surtout avec une communauté désireuse d'explorer toutes les opportunités disponibles. Le Bitcoin se distingue par son offre limitée à 21 millions de coins. Bien que cette disposition soit bienvenue pour maintenir l'inflation au minimum, elle a suscité des inquiétudes. Après que tous les bitcoins auront été minés, les revenus des mineurs provenant de la validation des transactions pourraient ne pas être suffisants, incitant les mineurs à abandonner le réseau. En quelques mois d'existence des tokens BRC20, les frais totaux perçus par les mineurs ont connu une impressionnante hausse. On anticipe que les Ordinals établiront une nouvelle base pour les frais de transaction, maintenant ainsi la motivation des mineurs et les incitant à assurer la sécurité du réseau plus que jamais. Bien que le Bitcoin soit la plus grande crypto-monnaie avec un marché de 588 milliards de dollars, il a été critiqué pour son manque d'activité et un développement insuffisant. Le réseau a longtemps été accusé de stagnation avec une activité blockchain et communautaire significativement moindre par rapport à ses pairs tels qu'Ethereum, qui est la plus grande plateforme de smart contract au monde. La société de gestion d'actifs numériques Grayscale, dans un rapport sur les Ordinals, a déclaré que, en nous basant sur la vélocité de l'adoption des NFT observée sur d'autres blockchains comme Ethereum, nous croyons que les Ordinals ont le potentiel d'attirer de nouveaux utilisateurs qui n'auraient peut-être pas envisagé d'utiliser le Bitcoin auparavant. Je ferme les guillemets. En fin de compte, les Ordinals fournissent une incarnation claire des actifs numériques non fongibles grâce à leurs propriétés inaltérables, leur absence de programmabilité et leurs obligations de documentation obligatoire sur la chaîne en contraste avec les NFT. Bien que les NFT d'Ethereum dominent actuellement le marché des NFT en raison de leur programmabilité supérieure et de leur popularité, les Ordinals pourraient représenter une option convaincante pour ceux qui recherchent un actif numérique plus clair, plus limité sur la blockchain qui est la plus réputée au monde. Au-delà des tokens BRC20 et des NFT, les applications des Ordinals Bitcoin vont au-delà du domaine de l'art et des objets de collection. Les Ordinals pourraient trouver des applications potentielles dans des domaines tels que la vérification d'identité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la médecine ou encore la protection des droits de propriété intellectuelle. Les Ordinals Bitcoin peuvent fournir des valeurs uniques et inaltérables liées à une identité numérique offrant une solution pour des processus d'identification sécurisés et inviolables.
Cette innovation pourrait avoir des ramifications significatives dans divers secteurs tels que les contrôles d'accès sécurisés, le vente en ligne et les vérifications de l'industrie financière. Les Ordinals Bitcoin peuvent aider à suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant un mécanisme pour garantir l'authenticité des biens. Les Ordinals, attribués à des produits individuels ou à des lots, permettent aux parties prenantes de retracer l'origine, l'histoire et la légitimité des produits, réduisant ainsi la menace de contrefaçon et promouvant la transparence. Les Ordinals peuvent être exploités pour créer des enregistrements immuables et confidentiels des données des patients, des résultats de recherche médicale et des essais cliniques. Cette utilisation pourrait renforcer l'intégrité des données, rationaliser les méthodologies de recherche et préserver la confidentialité des patients. Les Ordinals peuvent faciliter la vérification et la protection de ces droits. Les artistes pourraient utiliser des Ordinals uniques pour leurs œuvres. Cela permettrait l'établissement de la propriété et de l'originalité. Cette innovation pourrait transformer la gestion des droits d'auteur et des licences dans le domaine numérique. Les Ordinals, on l'a vu, ont la possibilité de transformer l'écosystème Bitcoin, mais tout le monde ne suit pas l'engouement autour de cette nouvelle écologie. Technologie. Ceux qui s'opposent aux Ordinals estiment que cela compliquera le processus d'exécution des nœuds en augmentant les frais et en encombrant la chaîne. À mesure que davantage d'Ordinals sont inscrits sur la blockchain, les utilisateurs seront contraints d'attendre plus longtemps pour des frais de transaction plus bas ou devront creuser plus profondément dans leur poche pour prioriser certaines tâches clés. L'espace des blocs de Bitcoin, bien que actuellement sous-utilisé, pourrait faire face à une rareté à mesure que la demande d'inscription augmente, entraînant ainsi potentiellement une augmentation des coûts de transaction. Cela signifie que les personnes cherchant à exploiter un nœud complet pourraient avoir besoin d'investir dans un espace disque supplémentaire plus tôt, entraînant des coûts accrus. Avec le temps, cette demande technique pourrait conduire à un degré plus élevé de centralisation parmi les nœuds complets qui vérifient la blockchain. Alors, les Ordinals, malgré leur potentiel, pourraient rendre le réseau Bitcoin plus susceptible aux attaques. Étant donné que les frais sont déterminés par le nombre de commandes, une entité malveillante pourrait générer un grand nombre de petites commandes dans une seule transaction, réduisant ainsi les coûts. Une telle tactique pourrait inonder le réseau Bitcoin de nombreuses transactions mineures, compromettant ainsi potentiellement ses performances. La montée des Ordinals et des tokens BRC20 a déjà commencé à faire augmenter les frais de transaction. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir. Le réseau est congestionné en ce moment. Et c'est en partie pourquoi les mineurs du Bitcoin voient augmenter leurs revenus. En conclusion, les Ordinals n'ont fait que commencer à transformer le réseau. Ils présentent des opportunités pour la communauté crypto. Les Ordinals continueront d'augmenter l'utilité du réseau, qui a longtemps été principalement utilisé pour soutenir la plus grande crypto-monnaie, laissant d'autres blockchains comme Ethereum, Polkadot et Polygon soutenir des éléments clés de l'univers de la crypto-monnaie tels que les NFT. Comme toutes les autres technologies, les Ordinals Bitcoin ont à la fois des avantages et des inconvénients. La communauté devrait se concentrer sur la valorisation des avantages tout en atténuant ou éliminant les risques posés par cette technologie. Dans l'ensemble, il reste à voir comment les Ordinals continueront de transformer le réseau et de révéler leur utilité à long terme.